Salut tout le monde, Steiner. Aujourd'hui, on se retrouve sur un déballage du Enbuo N27. Donc, bon, je sais pas si vous le verrez bien, mais bon, là, il est abîmé. Il est vraiment partout. Là, il avait les étiquettes aussi que j'ai dû enlever. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive que je commande un article et qu'ils ne mettent pas dans un emballage Amazon. Donc, je sais que des fois, ils le proposent. Il le propose et puis hop, on peut cliquer dessus direct. Sauf que là, ça s'était mis tout en bas, donc je ne l'ai absolument pas vu. J'ai cru qu'ils allaient le faire automatiquement, puis au final, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, la boîte est bousillée, abîmée. Donc je suis vraiment déçu de ça. Donc la prochaine fois, ben, je regarderai un petit peu mieux comment ça se passe. Donc c'est la première fois vraiment qu'ils me livrent comme ça sans que j'ai à cocher quelque chose. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc le N27 de la marque New. C'est un casque du coup pour PS4 ou un casque pour Xbox One, Nintendo Switch même, et PC bien entendu. Et voilà, j'ai pris parce que du coup j'ai une Xbox One qui est juste par là-bas. Hein, et voilà, pour parler avec les joueurs, c'était mieux d'avoir un casque. Donc voilà, le casque dans un emballage à bulles classique. La boîte, là elle a rien, là non, si, c'est tout est dedans, donc c'est un petit peu dommage. Sur la boîte, c'est écrit en chinois, donc je vais pas vous l'utiliser hein, parce que ça va être en chinois du coup et je comprends pas. PS4 setup, hop, user guide, donc voilà comment que ça marche. Bon, ça reste ce classique, ça reste un casque, hein, donc pas besoin d'avoir mieux notice. Les petits embouts qui peuvent être sympathiques aussi si on veut le brancher, je pense, sur un PC. Enfin, c'est à voir là, c'est vraiment mon premier casque. Ah, il est tressé en plus ce câble, c'est pas mal. Donc ouais, oui, je pense que c'est pour le mettre sur le PC, hein, la prise micro, la prise son, et puis le petit embout. Hop, donc on va le mettre de côté, je ne vais pas y trop l'utiliser pour PC, hein, c'est plus vraiment un casque pour le... Excusez-moi. C'est un casque pour la Xbox One, donc le PC, j'ai déjà mon Razer. Et j'ai pris celui-ci par rapport à un autre, déjà parce que voilà, les oreillettes se tournent comme on peut voir. Le micro, il est théoriquement détachable, donc voilà, c'est juste une prise jack hein, au final. Donc voilà, par contre j'ai pas fait gaffe au sens, donc j'espère que ça va pas faire de problème au niveau du son quoi, pour pas que ça entende de l'autre côté, alors que voilà. Donc voilà, et là le micro est du côté L, hop, les coussinets sont un petit peu en bah, c'est du tissu. Les cache-oreilles, comme il dit, c'est du cache-oreille doux en peluche de mémoire. Donc je vois déjà si elle rentre bien. Ouh. Ok. Bon, bah là, ils disent élimination de bruit. Il faut peut-être qu'il soit allumé, mais là, en tout cas, l'élimination de bruit, j'entends vraiment pas du tout. Donc là, la petite molette du plus et du moins au niveau du son, et pour couper le micro, hop, et pour l'allumer. Donc voilà, avec un câble qui m'a l'air d'être assez correct au niveau de la longueur. Hop, je vais le détacher. Donc voilà, ils disent aussi que c'est un son surround, donc ok, classique. J'ai pris celui-ci parce que du coup, oui, comme je disais, le micro se détache quand j'en ai plus besoin. On a la possibilité de l'enlever. On peut l'utiliser aussi juste en tant que casque classique, hein, on le met sur notre appareil téléphonique, notre téléphone, notre smartphone, et puis on le met, et puis voilà, on peut l'utiliser en guise d'écouteur. Donc ça fait un peu gros, hein, mais bon, voilà. Ensuite, donc voilà, il est réglable, hein, classique. Hop. La couleur rouge et noir, c'est assez sympathique, moi c'est une couleur rouge et noir que j'aime bien. Et je pense dans le futur de mon futur téléphone qu'il aura une coque rouge et noire. Donc là on voit un petit peu du simili-cuir de ce côté là. Je vais le brancher directement à la manette. De toute façon là a priori je peux le laisser sur moi hein, parce que j'entends exactement tout ce que je dis. Donc on branche du coup à la manette. Pour celui-ci j'ai pas besoin d'adaptateur, enfin du moins sur la console, sur la manette j'ai pas besoin d'adaptateur. Ok, là on entend le petit clac-clac. Par contre, j'entends absolument pas si je parle pas. Hop, alors je regarde au niveau voilà, de l'audio. Ok, donc en tout cas, oh, je m'entends souffler.
Le micro, c'est assez désagréable. Ok, donc on sait quand il est coupé ou pas. Je vais essayer de corriger ça pour que vous puissiez voir un petit peu à l'écran. Donc voilà, sur l'Xbox One, bon là j'étais en train de faire du Forza. Donc le micro du casque, comme on peut voir, il est activé, le volume. Joueur, si je change avec le mode, ça change quelque chose? Non, ça change rien du tout. Le contrôle du volume, contrôle du micro, mélangeur du chat du casque. Et là, comme on peut voir, on voit l'icône. Et si j'enlève, du coup, voilà, on voit que là, pas de micro. Là, ça s'est enlevé. Donc voilà, il le prend quand même en compte. Je vois là que, du coup, il y a trois petits traits. Donc quand on en a deux, normalement c'est juste du coup les deux écouteurs, hein, donc le droit et le gauche, et quand on en a trois, ça veut dire aussi que là le micro demi, et donc voilà, c'est pour ça que là le micro qui est intégré. Donc là voilà, je viens de le remettre, faut juste lui laisser le temps qu'il en a, il l'a pris, donc voilà. Il prend pas le son, par contre j'avais branché un casque Bluetooth dessus via cette prise. Voilà, je vais pas aimer ce... Ah si, j'entends, oui, comme le casque Bluetooth, j'entends aussi dans mes oreilles ce qui se passe en jeu. Donc quand j'accélère, j'entends aussi dans mes oreilles que ça le fait aussi. Donc voilà, bon, de toute façon, on n'est pas là pour vous montrer comment je joue. Je vais du coup ranger l'écran. Voilà, je vais redescendre ceci. Voilà. Hop. Donc oui, je suis vraiment un petit peu déçu que ce soit pas mis tout seul, parce que du coup, bah, la boîte est un petit peu abîmée et ça fait pas bien, bien ouf. Je suis pas très fan du tout. J'ai pas d'emplacement pour brancher de la musique, donc c'est vraiment dommage. Après, du coup, pour ce casque, voilà, il est à combien? Il est à 30,59€. Ça reste classique, la livraison était du coup très rapide d'ailleurs. J'ai commandé le lendemain, j'ai reçu, donc il est compatible du coup avec pas mal de périphériques. Hein. Donc comme je l'ai dit, Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, donc voilà, pas mal de petits périphériques. On peut le brancher aussi du coup sur un PC, donc voilà, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, le PC, hop, on le branche là comme ceci. Et là on a le micro, et puis le micro, et puis le son des oreillettes. Donc voilà, ça rajoute un petit câble, hein, ça reste du classique. Et puis voilà, après les PS4 machin, je sais pas comment ça se branche. C'est pour ça que là, la petite notice qui vous explique du coup, sur PS4, a priori c'est aussi simple que ça, on le branche aussi sur la manette. Rien de plus compliqué, le PC ou le mobile. Donc voilà, on met le petit adaptateur comme j'ai mis, et puis voilà. Pour le téléphone, tout ça, on branche juste la prise jack. Black view, front view, ok, position du micro. Donc ça, c'est oui, il faudrait que je regarde la position, parce que si du coup on m'entend pas, c'est pas bien, bien kiffant, donc il faudra que je fasse des tests avant, voir avec mes collègues gamers si on m'entend bien ou pas. Donc il est semi, ouais, il est semi, si, bah, si, microphone, voilà, microphone. Il est semi, on va dire, anglais et français, tout ça. Contenu du pack, résumé, présentation. Donc voilà, ils le mettent un petit peu en français aussi, hein, Xbox One Setup. Donc installation Xbox One, voilà, l'allemand aussi. Installation PS4. Donc ouais, bon, la notice, ils auraient pu faire de l'anglais et puis du français au lieu de mettre toutes les langues. Donc voilà, après voilà, c'est un casque qui vaut 30,59€. Je m'attends réellement pas à une qualité microphone excellente. Mais bon, tant qu'on arrive à m'entendre durant les games, si on m'entend bien, c'est le principal objectif, hein, du coup du micro, c'est qu'on puisse m'entendre. Et puis jouer avec un micro, parce que jouer sans micro et puis d'entendre ses collègues parler pour dire non, et puis nous, s'il a un ennemi, on peut pas le dire, non, machin, on peut pas céder. Enfin, moi, on peut me donner un coup de main, mais moi, je peux pas donner de coup de main aux autres. Donc ça m'intéressait pas. Et puis, puis voilà, 30,59€, c'est pas ce qui va me ruiner non plus. C'est un bon casque pour le moment. Hein. Je sens pas trop sur les oreilles. Enfin, je le sens, mais pas au point d'être si désagréable que ça. Donc à voir avec le temps quand on aura énormément de parties qui seront faites, énormément de temps de jeu qui seront joués, pour voir
si ça fait mal aux oreilles ou pas. Mais bon, pour le moment, le micro, enfin le casque, du coup, coûte 30,59 €. Ça a l'air de faire son taf. Donc bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu avec, voir un petit peu ce que ça donne, si la qualité est bonne et tout ça. Donc voilà, je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.